party is a part of the game. Oh yeah. 22 juin 2017, il est 12h. And the woman is the talk of the day. La délégation de l'Olympique de Marseille, conduite par son président Jacques-Henri Hérode, accompagnée de l'ambassadeur du club, Basile Boli, du conseiller Didier Poulmer et de l'avocat maître Prosper Abega, atterrissent à Douala au Cameroun sous un accueil très chaleureux des supporters marseillais pour une visite de travail qui va les amener à l'école de football brasserie du Cameroun. Qui s'entend parler par marseillais ? Qui s'entend parler par marseillais ? Qui s'entend parler par marseillais ? Après un bref tour dans les artères de la ville de Douala, la délégation marseillaise s'est retrouvée sur les berges du fleuve Vouri pour un déjeuner de bienvenue, où elle a pu savourer quelques spécialités culinaires locales. Cette visite des hauts cadres de l'Olympique de Marseille à Douala, précisément dans les locaux de l'école de football brasserie du Cameroun en Dokoti, a pour but de comprendre et de percevoir la notoriété du centre, ainsi que de comprendre les filières de formation. Je pense qu'on ne peut pas imaginer ou dire qu'on s'intéresse à l'Afrique sans venir sur place, sans rencontrer les acteurs du football africain, sans échanger avec eux. Pour moi, c'était une évidence. C'est la première fois qu'on le fait depuis que nous avons pris le contrôle du club de l'Olympique de Marseille. Vous savez qu'on est là depuis 8 mois, donc c'est très récent. Mais on voulait très vite venir en Afrique pour parler de nos ambitions, présenter notre projet, ce qu'on a fait aussi avec les différents acteurs du football africain et puis expliquer comment nous pourrions imaginer de collaborer. Donc venir ici, on l'a fait dans cette première visite dans 2 pays, le Sénégal et le Cameroun, c'était une façon pour moi toute naturelle de montrer tout notre intérêt pour le football africain. Et l'Afrique a un potentiel énorme. Aujourd'hui, quand on veut faire de la formation dans le monde entier, il faut prendre en compte, faut tenir compte de tout ce que les Africains ont comme talent. Donc c'est dans notre droit de pouvoir dire à la nouvelle équipe dirigeante et en même temps qu'ils sont en train de construire une base de formation à Marseille, à l'Olympique de Marseille, de voir un petit peu ce qui se passe en Afrique. Et les brasseries du Cameroun font partie des meilleures en Afrique. Donc pourquoi pas essayer d'avoir des relations avec elle. En compagnie de la délégation venue de Marseille se trouve l'ancien stagiaire de l'école de football brasserie du Cameroun, Salomon Olumbé, ayant évolué durant sa carrière professionnelle au sein de l'Olympique de Marseille. Il n'y a rien à dire par rapport au Cameroun. On est champion d'Afrique en titre, on a gagné tout ce qu'il y avait à gagner sur le continent. Donc on est l'exemple, on est le moteur en termes de football en Afrique. Donc il n'était pas concevable que l'Olympique de Marseille, vu la nouvelle politique de jeunes qu'ils veulent mettre, vu les nouvelles relations qu'ils veulent avoir avec l'Afrique, qu'ils ne puissent pas venir ici. Donc ils sont venus au Cameroun, ils ont discuté avec toutes les instances du football, ils ont eu besoin de voir un exemple
d'académie, un exemple de formateur. L'idéal, c'était l'école de foot des Brasseries parce que je suis issu de cette école. Donc ça s'est fait tout naturellement. Mais c'est la bienvenue pour le Cameroun de pouvoir avoir ce genre de machine qui est l'Olympique de Marseille, venir se ressourcer, venir puiser ici et venir nouer des partenariats avec le football africain. Tous ensemble, on put le temps d'une mi-temps apprécier les prouesses de la promotion 2004 de ce centre de formation de jeunes footballeurs sur le terrain. L'Olympique de Marseille est un club professionnel de renom. À partir du moment où ils émettent le souhait de développer leurs relations, ça veut dire qu'ils veulent faire la place aux jeunes, nous on est ouverts à toute relation avec un club sérieux. Un club, mais nous ce qu'on veut surtout c'est avoir un suivi dans la relation, c'est pas des gens qui viennent faire des coups comme ça. On veut des gens on veut sentir une présence, on veut sentir une connivence, c'est ça qui est important de développer comme relation, mais pas seulement quelqu'un qui vient et qui dit « ouais, je veux tel joueur, je vous achète tel joueur ». C'est pas ça notre volonté, c'est ce qu'on a bien voulu exprimer au président aujourd'hui. Nous ce qu'on veut c'est le suivi d'une relation. C'est ça qui est important, c'est de là que sortent les grandes amitiés dans le monde du football. Bah, je crois que le point important, c'est de ne pas venir une fois et essayer et décréter de cette manière qu'on est intéressé par l'Afrique. Je pense que, hein, comme on dit en France, il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour. Ça veut dire qu'il faut être là souvent, il faut être présent, au même titre que d'autres clubs, y compris français, qui sont là depuis déjà longtemps. La formation à l'Olympique de Marseille, jusqu'à présent, n'était pas forcément une priorité absolue. Nous sommes en train de changer cela. Nous sommes en train de remettre la formation au cœur de notre stratégie. Nous le faisons à Marseille, nous le faisons dans la région de Provence, mais nous voulons le faire à l'échelle mondiale et notamment en Afrique, où on le sait, l'OM est toujours le club le plus populaire. L'Académie des Brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.